Et eh bien salut à tous les amis, c'est CyberCro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les gardiens de la galaxie. Effectivement, on va continuer le let's play des gardiens. Alors, on va se retrouver tout de suite après l'intro. Tout de suite. Re-YouTube, du coup, on se retrouve pour la suite de notre let's play. Allez, c'est forcément quelque part dans le coin. Y'a un problème? Non, aucun problème. Groot, à toi l'honneur. Je s'appelle Groot. Alors... Je s'appelle Groot. Ouais, qu'est-ce qui se passe si Gamora nous rattrape pas? Quand ils sauront qu'on est sur le Milano, ils feront tout pour nous arrêter. Je n'abandonnerai pas Ovat une deuxième fois. Ovat? Tu veux dire Gamora? Oui, c'est ça. La tueuse. Gamora, man... Flat, mais comment ça se fait qu'ils soient toujours là? Ouais, vite! Je déteste tout ce qui se trouve sur ce vaisseau! Go, go, go! Hé, j'ai que deux jambes! Lève les pieds, Peter Quill! Mes bottes sont lourdes, ok? C'est bientôt fini, là, hein? Vite, vite, vite! Nous pouvons encore nous échapper! Sautez! Quoi? Sautez! Continue à avancer, Quill! Sûr, il y a des méchants. Ça m'aurait étonné du contraire. Ils sont trop nombreux! On prend l'ascenseur! Faut écouter Groot, ça ramène pas! Le fanatique a rejoint son créateur! Tu as le droit de demander de l'aide, Peter Quill! Axe à la rescousse! Qui a quand même beaucoup de monde. On reste là. On sera bientôt débarrassé de ces fanatiques. Ces timbrés l'ont bien mérité. Allez, ramenez-vous tous. Voilà d'autres fanatiques qui cherchent à se faire estropier. De vrai? Ouais, bah je peux pas faire mieux. Et nos chances de le rejoindre sont de plus en plus minces. T'es au courant qu'ils vont commencer à tirer dès qu'ils l'auront détecté? Ouais, il est en mode furtif. Mais qui sait le genre de détecteur dont Raptor dit trop sur le dos? Ouais, on avait plus beaucoup de vie. C'est une catastrophe, j'ai envie de dire. C'est à peine le début de la vidéo, on est déjà mort. Alors. Alors... J'ai éteint un autre allumé! Ces âmes perdues ne savent pas quand s'arrêter! J'ai atténué la menace! Tu peux retourner te battre! Ouais, alors c'est con parce que je récupère la vie quand je meurs. Ah ouais, vraiment, c'est un très très dommage. Très 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 dommage. Très 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 dommage. Bon, alors. Esquive en fait, hein, je pense, hein, parce que vraiment. Par là, hein. Est-ce que c'est par là? Bien sûr que non. Lance ça, Drax! Ah non, faut que je les tue pour de vrai? Expulse-moi ce truc, Drax!
Sa foi ne l'a pas sauvé de la mort. Va-toi. Tends-leur tes bras, Groot. Bah, j'adore allumer les illuminés. C'est un vrai long bien mérité. Il manque Gamora là quand même. Écrase l'ennemi, Drax. Encore une promesse détruite. Sois pas triste, continue d'en faire de la bouillie. Ah, la roquette, il me termine. Hein. Peter Quill, lâche-moi sur ces imbéciles. Je s'appelle Groot. Je m'attache, Groot. Un fanatique en moi. C'est un impeccable. On peut pas continuer à Alors, une compétence. Je crois que c'est celle-là que je voulais. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà, comme ça, Drax, il a toutes ses compétences. Il nous manquera effectivement la vague de chancellement ici. Ouais, après il nous manquait des compétences à 3 pour les 3 devant leur armée. On doit se débarrasser d'eux si on veut pas mourir ici. Quoi ? Je peux peut-être surcharger ces batteries pour provoquer une explosion dans cette partie du vaisseau. On parle d'une explosion de quelle envergure ? J'ai hâte de le savoir. Occupez-les pendant que j'installe tout. Là les illuminés. J'ai besoin de temps, Quill. Débarrassez-moi d'eux. Il faut mettre fin à ce combat. Drax, continue à les occuper. Le droïde colossal est aussi une menace de taille. Continue à tout démolir, Drax. J'arrive. Oh. Ok. J'espère que t'as une belle surprise pour eux. Oh, Gamaria adore les surprises. Cogne, Drax. C'est moi, on arrive à peine à les rafler. Ce truc est costaud, va falloir mettre le paquet. C'est bon, on lui inflige un peu de dégâts. Okay. On est censé tirer aussi près que ces trucs. Pourquoi je trouve ce combat déjeunant ? J'aimerais vraiment que Gamora soit là ! Je l'ai toujours dit ! C'est une solitaire. Quill ! Tu vas m'entendre s'il me plombe les fesses ! T'inquiète ! On couvre, enquête ! J'ai pas l'impression que ça donne ! Fais attention ! On se disperse ! Ils ont tellement de vie ! Peter Quill. Rocket, comment tu t'en sors? Je me déconcentre pas quand j'ai des pattes dans les explosifs. Oh. Attendris leur chair. Il faut mettre fin à ce combat. Je prépare un final détonnant. Hop là! Ah, robot géant! Comment ça m'énerver! J'ai oxy au final! Sois pas triste! Continue d'en faire de la bouillie! Maîtrise! Ok, Maxi bu, Maxi. La grosse cadence là fait très très mal. Je suis pas sûr qu'on va tenir longtemps. Vous avez pas le choix. D'accord.
On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Je veux pas mettre la pression, mais... Je veux pas la pression. Il y a plein de place. Profitons-en. J'essayais juste de le réveiller. Ces âmes perdues ne savent pas quand s'arrêter. Effectivement, je pense qu'on est en mesure de... Laissez tomber. Vous pouvoir le pas confirmer, le ça. Ces âmes perdues ne savent. Nous risquons de nous blesser en lui tirant dessus. Sors, ma collègue. Ah, mais ça sort de tous les côtés. Enquête. On est censé tirer aussi près de ces trucs. Bonne question. En théorie, on devrait pas exploser. Pourquoi ils ont pas utilisé un des 240 de langage de programmation que je maîtrise? Tu peux le faire. Je te connais. On se disperse. Il y a beaucoup à couvrir. Empêchez-les de trouver mon pelage de rêve. Hop, hop, droite gauche. Attention, l'électricité est ratée. Je suis prêt à tout détruire. Mais fous le poing sur eux. Allez, faisons gagner du temps, en fait. Peut-être qu'ils ne remarqueront pas son corps minuscule. J'aime bien ta théorie, Tu m'as déjà vu rater une explosion. Enquête. On est censé tirer aussi près de ces trucs. Bonne question. En théorie, on devrait pas exploser. J'appelle Groot. Groot, chope-le. Je suis pas vrai. Le chef est en train de requinquer ses potes. Génial, ça va être énorme. Voilà ce que je voulais entendre. Ce qui te blesse. Ah, ta 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 ta. On a combien de temps devant nous? Ah, j'y suis peut-être allé un peu. Courez! Non! Ok, trouvez notre... Oh. Où est-ce qu'on va? Sors! Sors où? Tu fais ça! Jack! Restez bien groupés, les gars! Passe pas par-dessus bord! Passe pas par-dessus bord! Droite-gauche, droite-gauche. Oh. Voyez, on est congelé. On est congelé, les amis. Je s'appelle Groot.
dois y retourner. Alors toi, Pique, il y a une connerie à dire. Une petite tuerie une fois de temps en temps, c'est toujours sympa. Mais là, on a quand même failli y passer. Et pour Gamora? Bah, elle a fait son choix. Quoi? Tu veux qu'on l'abandonne? Et Nikki? Et si c'était Groot, hein? Tu le laisserais tomber, lui aussi? Je s'appelle Groot. Hé, hey, faudrait voir à pas détourner la conversation. J'ai pas raison. On est censé être une équipe. Une équipe ne laisse pas tomber les siens. Va dire ça à toute cette armée de débiles avec tous ces robots et ces illuminés auxquels on a échappé par je ne sais quel miracle. Gamora! Est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Comment t'es revenu? C'est pas important. J'ai échoué, Racker est vivant. Pour l'instant. Il faut qu'on y retourne. On peut pas laisser Nikki là-bas. Sinon, il va la transformer. Blablabla, rien à battre. T'as eu des problèmes avec ton père, t'as eu une enfance difficile. Rocket! Quoi? C'est la vérité? Ah, c'est une vraie teigne, celui-là. Tu sais, mais t'es pas la seule à avoir morflé ici. On va pas non plus envisager le suicide, tout ça parce qu'un pseudo-prêtre timbré fait, surprise, des trucs de timbré. Si on retourne là-bas, on est cuit. C-U-I. Cuit. Cuit. Je préfère mourir avec honneur. Et avec fierté. Mauvais poil ou quoi? Je s'appelle Groot. Bon. On continue à tortiller ou on y va, là? Pas encore. On devrait essayer de recontacter Cosmo. Je s'appelle Groot. Ah ouais, ok, mais il répond pas au passeport. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Notre réseau est en panne. Ah, oui. Bah finalement, le réseau, ça va, non? Il se trouve que c'était pas si catastrophique que ça. T'es sérieux? Ouais, Groot devrait pouvoir le joindre. Ok. On dirait que quelqu'un a besoin de se défouler. Hé hey, t'avises pas de faire des dégâts dans la soute. On n'a pas prévu de se ravitailler tout de suite. Je s'appelle Groot. Pas sympa. Ah non, mais excuse-moi! C'est pas moi qui tiens à ce qu'on se jette dans la gueule du Flerken! Pas vrai, Drax? Oui. Alors, comment tu te sens, Drax? Réfléchis à la question. C'est parfaitement normal. Après ce qui s'est passé avec Nikki et cette satanée promesse, voir les gens qu'on aimait mourir une deuxième fois... La famille n'est pas juste morte. Elle a été assassinée. Par Thanos. Mais je ne souhaite pas en parler. Et Drax, Allez, booste. Pousse-toi. Qu'est-ce que tu regardes, là? Ah non, maintenant, tu vas arrêter de bouffer mon vaisseau. Mon vaisseau. Ah, dégage. Eh bah, ce panneau devait être hyper appétissant. Et c'est quoi, d'ailleurs? Les commandes d'urgence des portes du vaisseau. Le propriétaire du vaisseau devrait savoir ça. Hé hey, c'est une bonne d'ingénieur? Pas du tout. Et c'est bien ça le problème. Alors. Et toi, mon grand, comment ça va? Je s'appelle Groot. T'es sûr? Ce qu'on a vu sur ce vaisseau était super tordu. Je s'appelle Groot. Ouais. Mais je suis peut-être pas la bonne personne pour en parler. Tu devrais en parler avec Rocket à l'occasion. Je suis content que vous vous compreniez tous les deux. Prends soin de toi. Eh oui, on doit aller voir toute l'équipe. Le soutien moral. Rocket, qu'est-ce que t'as sur quoi, Rocket? J'améliore le système de défense du Milano. Je t'avais dit que je ferais des merveilles avec le matos de la zone de quarantaine si tu le planquais les Nova. Cool. On pourra tester ça quand? Ça dépend du temps que tu vas rester planté là à me distraire. Tu veux quelque chose? Ça arrive, pas la peine de gigoter comme ça. Euh...
dire, on a le scan tactique. Éviter la chute en accélérant. Donc, subissez un coup puissant. Ok. Ouais, on va économiser pour l'instant. Unité chaque fois que tu me faisais perdre du temps avec tes idées géniales. On ferme le frigo. S'acheter chez nous. Rocket. On va aller voir Gamora, parce que c'est la seule qu'on n'a pas encore été parlé. On a parlé à tout le monde, sauf Gamora. Non, ça c'est la salle de bain. Bah, elle est pas dans sa chambre. Ah. Ça doit être par là, là. Effectivement, elle est là. Hé Gamora. Va-t'en, Peter. Allez. Je voulais voir comment t'allais. T'as dit des trucs intenses tout à l'heure. Tu veux qu'on en parle? J'ai pas envie de t'écouter. Ok, d'accord. Alors, prends soin de toi. C'est exactement ce que je fais. Bon, allez. Je te laisse reprendre ton... ton entraînement. Tu peux te pousser. Et bon, j'ai compris. Hop. Pousser. Alors. J'ai hâte que Starmore voit ce que j'ai fait au système de défense. Ça va être chouette. Pas vrai, monsieur Muscle? Laisse tomber. Un bras entier. Ça fait quoi? 10% braqueur en moins? On devrait laisser les 90% restants tranquilles. Je suis content de pouvoir disséquer cette petite merveille, mais je veux plus jamais avoir affaire à cette saleté de culte. Tu m'étonnes. Ça donne quelque chose? Je m'appelle Groot. Gardien de galaxie. Cosmo, bon chien, t'étais passé où? On a essayé de t'appeler. Désolé, Peter Quill. Cosmo, forcez pas bouger. Église universelle de la vérité arrivée sur Nowhere. Quoi? T'es en danger? Ça va pour l'instant. Cosmo reçu alerte à temps. Mais... Cortex continuum désactivé pour sécurité. Grosse journée, hein? Ouais, on a failli se faire descendre à cause de ta petite enquête. On te raconte ça dès qu'on arrive. Niet. Cosmo dépassé par problème. Gardiens de galaxie doivent aller sur Xandar et demander à Worldmind de venir en aide. Cosmo pas pouvoir communiquer. Gardiens de galaxie vont devoir... Ah. Cosmo, tu me reçois? Ça, qui s'est passé? C'est un peu contraignant. En plus, on se fait tirer dessus. Et... Est-ce qu'on subit une attaque? Alors voilà les lâches qui ont sali l'honneur de Lady Elbender. Oh, génial. Et toi, t'es qui, tête d'enclume? Normalement... Jamais je n'engage la conversation avec des créatures inférieures. Mais mon contrat avec Lady Elbender ne me laisse pas le choix. Par conséquent, abomination. Tu peux m'appeler par mon titre. Je suis le Capitaine Glory, leader de la Légion Fatale. La Légion Fatale... Mais j'aurais dit la Légion des Tokars, mais... Il nous a... Écoutez... Je comprends que Lady Elbender est mauvaise, mais là, c'est vraiment pas le bon moment. Pensiez-vous qu'elle allait laisser tomber parce que, par un heureux hasard, vous avez échappé aux Blood Brothers sur Nowhere? Oui. Alors vous ne valez guère mieux qu'eux. À moi, vous n'échapperez pas. Je vous le garantis. J'ai besoin de quelques minutes. Gagne du temps, Quill. Pourquoi? Où est-ce que tu vas? Vous m'avez
mis sur muet. Je s'appelle Groot. Pardon ? Alors comme ça, la Légion Fatale. Sympa comme nom. Moi, j'ai fait partie des Ravageurs autrefois. Nous surpassons de loin vos piètres Ravageurs, larves terriennes. La Légion Fatale se compose des meilleurs guerriers que l'univers ait jamais connus. Et de moi. Hey, bon, écoutez, je comprends. Vous êtes la crème de la crème. Vous êtes le capitaine d'une équipe d'élite exceptionnelle. Et moi, celui d'une équipe d'élite. Certains d'entre nous sont exceptionnels. Vous ne me ressemblez en rien. Je suis Glary de l'Empire Kree. L'héritage de mes ancêtres éclipse à lui seul le peu de valeur que vous pensiez posséder. Des paroles dignes d'un cri. D'un trou-duc prétentieux, surtout. Ça suffit! Vous me devez le respect. Je vais vous éliminer. Serais toi, je m'exciterais quand même pas trop, la Majorette. Le Milano va littéralement te pulvériser. Votre vaisseau n'a pas la force de frappe nécessaire. Scanne encore! C'est impossible. Une petite bricole qu'on a ramassée. Et améliorer le système de défense du Milano. Que vous nous avez sous-estimé. Ah, c'est ce qu'on verra. Qu'on va devoir jouer le vaisseau ? Oh, c'est trop bien. Mettez le paquet, ne faites pas de quartier. Il n'y a rien à récupérer sur cette épreuve. Haute ! Trouvez une fréquence moins énervante. Oh, je lui ai fait mal! Je s'appelle Groot! Arrête de donner des ordres, Groot! Tu sais même pas le piloter, ce truc! Où est Drax, le désolateur? La prime est pour 5 ans. Jamais entendu parler. Ces types tombent au mauvais moment. Commence à regretter la prison! Je s'appelle Groot! Tiens bon, vieille branche! Ça sent pas encore le sapin! Essayez de fuir, je dormirai tranquille. Et nourrir ton ego? Non, merci. Alors. Petite esquive. On peut pas juste envoyer une reconnaissance de dette à Lady H? Ah bah alors, pas question que je verse la moindre unité à cette dingue! Les vaisseaux se détruisent pas assez vite! C'est tout un art, Rocket. Et on est des artistes. Et on est des artistes, c'est ça le plus important, effectivement. Hop, la petite esquive, pour se couper les balles. C'est pas du chou. Hop. C'est pas vrai, mais combien elle a déboursé pour engager ces types? Beaucoup trop! Un petit brûlé, c'est leur peau! N'hésite pas à frimer, Quinn. Ils ont insulté mon bébé. Ouais, n'hésitez pas à frimer aussi. Hop. Tac, tac, tac. C'est quand même cool que les chasseurs de poules nous traquent, hein? Ça veut dire qu'on commence à se faire un nom, pas vrai? D'habitude, ce sera un bon entraînement. Mais le timing du capitaine flippant est aussi pourri que sa tenue. Je s'appelle vous. Arrête de donner des ordres, Groot! Tu sais même pas le piloter, ce truc! Hop. Ah, la sensi est vraiment bizarre. Hein. C'est vraiment très très bizarre. Où est Drax, le destructeur? La prime est pour 5 d'entre vous. C'est pas bête comme question. Wow! Je n'ai pas. Tombe au mauvais moment. Mais j'espère qu'on a. Y'a rien à récupérer sur ces. Voilà, si on a obligé de recommencer d'être une fréquence, au moins c'est bien. Je s'appelle Groot. Les ordures nous empêchent de la changer. Vous pouvez paniquer. Vos cris d'agonie seront enregistrés et attesteront de votre défaite. Ah, pathétique. Ces types tombent au mauvais moment. Comment t'as regretté la prison, moi? C'est
quand même cool que des chasseurs de primes nous traquent, hein? Ça veut dire qu'on commence à se faire un nom, pas vrai? D'habitude, ce sera un bon entraînement. Mais le timing du capitaine flippant est aussi pourri que sa tenue. Arrête de donner des ordres, Groot! Tu sais même pas le piloter, ce truc! Essayez de fuir. J'adorerais le traquer. La langue du capitaine Glory fait encore des siennes. N'hésite pas à priver. Il reste plus qu'un morceau minable. Mon bébé. Il ne nous en faut pas plus. Mon crétin, on vient de détruire toute votre armure. C'est qui la forme de vie inférieure maintenant, hein? C'est toujours vous. Peter, je détecte quelque chose. Quoi? Wow. N'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Vous avez battu mes chasseurs, certes, mais mon croiseur va vous anéantir. Quoi? Alors c'est ça la fierté de votre flotte? Que voulez-vous dire? Non, non, rien. Enfin, non, mais je suis sûr que c'est très confortable. Interdit de rire. Essayez un peu de m'en empêcher. Oh. Lady Tête de Mort a vraiment mal choisi son moment. Elle est ici. Non, juste ses sbires cette fois. Ouais, alors... Avec, pour le coup, la direction du vaisseau est assez complexe. Quoi? Alors c'est ça la fierté de votre flotte? Que voulez-vous dire? Non, non, rien, enfin... Non, je suis sûr que c'est très confortable. J'interdis de rire. Essayez un peu de m'en empêcher. Vraiment très très compliqué. Est-ce que je ferais pas ce passage à la manette? Est-ce que à la manette ce serait pas plus simple? Quoi? Alors c'est ça la fierté de votre flotte? Que voulez-vous dire? Non, non, rien. Non. Je suis sûr que c'est très confortable. Interdit de rire. Essayez un peu de m'en empêcher. Lady Tête de Mort a vraiment mal choisi son moment. Elle est ici. Non, juste ses sbires cette fois. Ça a super bien marché. Continue de viser ses pots d'échappement. Votre stratégie ne fonctionnera pas. Merci, vous venez de confirmer le contraire. Est-ce que ça, gardien? Non, rien du tout. Milano l'a senti. On dirait qu'on s'est mis toute la galaxie à dos. Ouais, une bonne partie en tout cas. Vraiment qu'on parle à notre attaché de presse. Ah, rappelez le barrage. Je commence vraiment à m'énerver. Non, c'est pas par là. Tu nous l'as mis, une couille. Mais tu l'es, bon sang. C'est tout un art. Quill va donner des leçons à la femme la plus dangereuse de la galaxie. On a senti passer, hein. Imbécile. Protégez ces mots. Ce type commence à parler comme Rocket. Ça s'appelle être direct. Quill. Il faut vraiment qu'on prenne plus soin du Milano. Ouais. On ira lui faire refaire une beauté quand tout sera fini. Une fois que t'auras réparé tous les trous. Tout va bien, capitaine? Je vais vous montrer. Bougez pas. Je me demande combien ces blaireaux sont payés pour nous tuer. Laisse-moi regarder le contrat, là, tu sais. Ah, ces types sont payés, mais des clopinettes. Sérieux? Ouh, oh
plein dans le pot d'échappement. Ah, ils nous ont touchés. Je me demande combien ces blaireaux sont payés pour nous tuer. Aïe! Ça fait mal! Eh bien. Mon sang, Lady Banane! Je pense qu'elle a pas dit son dernier mot. On s'inquiétera de Lady Elbender plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on aille sur Xandar. Plein gaz! Eh bien, les amis, c'était, à ma foi, somme toute, plutôt épique, cette bataille spatiale. Ouais, le Milano a besoin d'une révision. On s'en occupera quand on sera à la station. Même pas en rêve que des tronches d'obus touchent à mon... Waouh ! Ça, c'est de l'embouteillage galactique. J'avais pas vu autant de vaisseaux autour de Xandar depuis le début de la guerre galactique. Ouvre une fréquence, Groot. On va voir ce qui se passe. Je s'appelle Groot. À vous de fuir. Nos réserves d'énergie sont épuisées. Demandons accès à votre installation. Je vais remarquer le gap. Ces vaisseaux viennent tous de mondes convertis. C'est des réfugiés. Demandons permission d'accoster immédiatement. Répondez, je vous en prie. Groot, arrête ça. Je vois aucune navette de secours sortir. Ils les ignorent. Non. Les cohortes de Nova sont une bande de nouilles moralisatrices, mais ils sont censés aider les gens. Hein, c'est pour ça qu'ils sont là, c'est pas pour poser du lino. Calme-toi, Rocket. On va appeler la station et demander à parler au World Mind. Groot. Bienvenue dans le quartier général des cohortes de Nova. Veuillez indiquer la langue dans laquelle vous souhaitez communiquer. Je s'appelle Groot. Ouais, je sais, vieille branche, mais maintenant on va tous pouvoir suivre les erreurs de Star Truff. Comment pouvons-nous vous aider? Ton indécision m'horripile, Peter Quill. Après avoir analysé votre vaisseau, notre algorithme quasi parfait a présélectionné plusieurs choix d'officiers. L'allocation de ressources pour la communication directe avec nous a été refusée. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Décide-toi, Peter. Je s'appelle Groot. Groot veut que tu choisisses World Mind. Descends. Hé, ta copine flic est toujours listée. Ah bah si, tu devrais... Rocket. Ah, oui. Le dispositif de communication du Centurion Corel a été détruit ou désactivé et ne peut être joint. Quill. Je suis vraiment désolé. Moi aussi. Ouais, alors... Groot veut qu'on signale un crime. Ah. Remonte ! Je crois que j'ai vu un truc intéressant ! On devrait signaler ce que Racker mijote. Tu crois vraiment que le World Mind ne sait pas déjà, ça ? Merci de votre réactivité. Toutefois, la destruction imminente de la galaxie rend tous les crimes à venir non pertinents. Hé, Bobbery ! Des suggestions ? Oh, je déteste la bureaucratie. Nous vous félicitons de vouloir intégrer les cohortes. Pour commencer, indiquez votre nom, désignation ou numéro de série. Richard Ryder. La maman de Quill ! La maman de Quill ! Cette stratégie est absurde. Allez, monsieur Musque, ça pourrait marcher ! Veuillez indiquer votre corps céleste ou installation artificielle d'origine. La maman de Quill. La Terre. Je continue de douter de cette stratégie. Ouais, ça marchera peut-être pas, mais... Ah, regarde là, c'est tordant. Non. Enfin, en quelques mots, décrivez pourquoi vous voulez intégrer les cohortes de Nova. Parce que je veux faire régner la justice. Même l'IA la plus puissante de la galaxie est incapable d'analyser ça. Bravo, les gars. Vraiment,
T'as rien trouvé de mieux? Votre examen denté, bon, appelez-vous pour... C'était drôle, mais ça n'a servi à rien du tout. Ouais. Idée. C'est bien marqué Nova Prime. Lequel, à votre avis? On s'en fiche. L'identité de Nova Prime est confidentielle. Et il est interdit d'entrer en communication avec lui ou elle jusqu'à nouvel ordre. Ça ne dit même pas lequel. Pourquoi les lister dans ce cas? Encore ce menu? Peter, tout le monde ici est trop occupé ou trop mort pour te répondre. Et si on essayait un autre menu? Je s'appelle Groot. Sale icône crime passé a l'air de s'ennuyer. Nous sommes conscients de la menace actuelle. Mais nous ne pouvons allouer aucune ressource pour la combattre. Et pourquoi pas ça? Tu peux arrêter, s'il te plaît? On devrait leur parler de la promesse. Ah bah oui, c'est bien ça. Mais oui, comme si tous les autres vaisseaux n'en parlaient pas déjà à la radio, quoi. Connexion au service bancaire. Je crois que ça ait marché, dit. Gourdin de la galaxie. Veuillez vous expliquer. Hey, World Mine, ça faisait un bail, dis donc. C'est moi, Peter Quill, Star-Lord. Ouais, et c'est les gardiens de la galaxie. Hein, elle vérifie ses fiches avant. On a besoin de votre aide. Pour payer une amende? Non, 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 bien sûr que non. Vous devez sauver la galaxie. La galaxie ne peut être sauvée, Peter Quill. Quoi? Une illusion collective appelée la promesse se répand dans son système, convertissant tous ceux qui la croisent. En moins de 3 cycles, elle s'est répandue d'une modeste frégate stellaire à de nombreux avant-postes, planètes et systèmes. Praxus 9, Riegel 3, 75,222% de la galaxie d'Andromède. Tous perdus. Et bien sûr, elle a oublié Contraxia. Ils ont, en réalité. Le World Mine est une conscience collective. Écoutez, on sait qui est derrière la promesse. On a vu ce qu'elle faisait. On l'a vécu en personne. On est là pour vous transmettre l'information, pour que vous puissiez la... Vous ne nous avez pas compris. L'Église universelle de la vérité ne peut être vaincue. Vous l'avez dit, c'est un collectif. C'est une machine. Ouais, bah, et moi aussi, hein, en partie. Mais t'avises pas de me traiter de machine. On peut l'arrêter, j'en suis sûr. Peut-être pas nous, mais... Vous, vous êtes un héros de guerre. Vous avez vaincu les Chitauri il y a 12 ans. La Résistance et ses alliés ont défait les Chitauri. Nous n'étions pas seuls. Et avant cela, les Chitauri avaient détruit notre monde. Et décimé notre peuple. Je s'appelle Groot. Mais, moi non plus j'aime pas ça. On aurait dû prendre la tangente quand c'était encore possible. Nous avons déjà calculé 12 472 865 scénarios de combat différents. Les probabilités actuelles de vaincre l'Église universelle de la vérité représentent 0,3%. C'est un très gros chiffre. Et c'est pas bon? Je sens que c'est pas bon. Exact. À présent, veuillez nous excuser. Les forces de l'Église universelle de la vérité se rapprochent de cette région de l'espace. Il est essentiel que nous partions avant leur arrivée. Vous prenez la fuite? Et vous faites quoi des réfugiés? Vous allez les laisser là sans défense? Notre mission première consiste à préserver la culture de Xandar. Tout le reste est secondaire. Vous l'avez bien regardé, votre planète? La culture xandarienne est une cause perdue. La culture est plus vaste qu'elle. Vous êtes à la tête des Nova. C'est votre devoir de protéger cette galaxie. Propos erronés. C'est pas vous le chef des Majorettes? Nous n'avons pas le devoir de protéger cette galaxie. Nous la supervisons pour obtenir une meilleure connaissance des potentielles menaces. Vous servez et protégez vos propres intérêts. C'est un dérivé logique de notre directive première. Aux quatre coins de la galaxie, il y a des agents qui se sacrifient pour vous. Et vous tentez même pas de vous battre, hein, dans leur intérêt. Le risque est trop grand. Ce serait un sacrifice inutile. Pour des raisons inconnues. Aïe, 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 aïe. L'Église fait le plein de ressources. Son influence a dépassé de loin nos modèles de probabilité. Eh ben, ils ont qu'à mettre leur modèle à jour. Aligner nos algorithmes sur la source d'énergie irrationnelle de l'ennemi est impossible. L'énergie de la foi? La foi, en tant que source d'énergie, est inquantifiable. Nous ne sommes pas en mesure de calculer les scénarios pour combattre ce qui n'existe pas. Alors vous allez laisser gagner l'Église? Si la source d'énergie n'est pas quantifiable, elle ne peut être contrée.
La plupart des êtres vivants n'ont pas le luxe de pouvoir calculer leurs chances avant d'engager le combat. La Force Nova est sous votre contrôle. L'énergie magique qui alimente les cohortes de Nova. Elle n'est pas magique. Mais oui. Alors comment vous l'expliquez, celle-là? Parce que, vu de l'extérieur, c'est pas plus cohérent. Thanos disait qu'elle provenait des ordinateurs vivants de Xandar. Les ordinateurs vivants de Xandar sont la Force Nova. Elle existe car nous existons. Et puisque nous existons, elle aussi. Apparemment, vous savez maîtriser votre énergie collective comme Racker avec la foi des autres. Peut-être que votre méthode peut nous aider à en apprendre plus sur l'Église. Peut-être bien. Constatons que notre décision de partir vous déplaît. Toutefois, votre bien-être émotionnel n'est pas notre souci prioritaire. Nous avons pris cette décision en considérant toutes les options disponibles. Une recherche dans nos bases de données n'a pu révéler qu'une seule entité possédant la capacité de vaincre l'ennemi. De quoi s'agit-il? De qui? Adam Warlock, le tout premier dieu doré de l'Église. Malheureusement, il a perdu la vie un an avant la fin de la guerre galactique. Super, comme ça il n'y a plus personne. Nous sommes ravis que vous soyez parvenus à cette conclusion, vous aussi. Il semblerait que les préparatifs pour notre voyage soient presque terminés. Adieu, gardien de la galaxie. Non, attendez! C'est bien les Nova, ça. Ils nous ont jamais aidés et ils nous aideront jamais. Je m'appelle Groot. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Groot dit que le Fratac de service d'assistance réclame encore qu'on paie l'amende. Bon. Allez, on va payer. Il est temps qu'on en finisse. Confirmez le paiement. Quoi? L'univers est sur le point de disparaître et toi, tu claques notre fric dans une amende des Nova? Alors écoute, l'Église est sur le point de nous tomber dessus. Si notre vaisseau est bloqué, je donne pas cher de notre peau. Très bien, ça au moins, c'est réglé. On fiche le camp. On a du mouvement. Je m'appelle Groot. Ça y est, il décolle. Les amis, on va se laisser là-dessus. Oh là là, je vois que l'épisode est très très long. J'espère qu'il vous a plu. Malheureusement, j'ai pas pu couper avant à cause des cinématiques, des multiples cinématiques. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Allez, ciao tout le monde.